Salut tout le monde, c'est Bremen. On se trouve aujourd'hui pour le test de l'écran, l'avis sur l'écran du mobile Soch. Donc un écran, là j'ai mis la luminosité à fond, un écran très lumineux, correct. Beaucoup de reflets là parce que je suis dans la voiture avec pas mal de soleil dehors. Je suis en train de jouer une vidéo sur YouTube de Mathias Dandois de la team Soch. Et on va essayer de voir un peu les angles de vision qu'on a sur ce téléphone. Donc là c'est très très clair, on voit bien tout. Je vais pencher un peu dans tous les sens pour vous juger un peu de la qualité de cet écran LCD qui n'a pas une excellente densité de pixels parce que voilà c'est du bas de gamme en fait de gamme, mais qui remplit quand même son rôle parfaitement. En fonction des mises au point là de chien avec le Z1, en fonction des mises au point on va peut-être voir un peu flou, mais vous allez voir que l'image est quand même visible d'assez bah, de partout quoi. Tout à fait correct, c'est clair. L'écran prend pas mal la place, enfin prend une bonne place sur la face avant. Il n'y a pas trop de perte de contour, de bezel comme on dit. Donc voilà, c'est un bon point de ce téléphone. C'est pas de la super qualité, mais c'est très correct. Je marquerai la résolution dans la description de la vidéo parce que je ne l'ai pas en tête là. C'est quelque chose de moyen, mais ça remplit son rôle quoi. Les couleurs sont correctes. Donc voilà un bon point pour ce téléphone aussi. À demain pour la suite de Tester Soch sur le mobile Soch. Salut!